Bonjour. Alors, je vous propose aujourd'hui la correction des activités d'orthographe pour les élèves de CM1. On va commencer par la première leçon. Ce sont des homonymes grammaticaux qu'on voit sur l'écran. A et A et A. Il faut comprendre ici, A avec accent, c'est un mot invariable. Il reste tel quel, il ne change pas. Et le verbe avoir à la troisième personne du singulier et à la deuxième personne du singulier. Alors, bien sûr, ces activités tirées de mon cahier d'activités. Là, pour mon cahier d'activités pour CM1. C'est à la page 5. Alors ici, il nous demande de réécrire chaque phrase en mettant le verbe à l'imparfait. Chaque handicapé a une rééducation précise à faire. Il faut faire la différence entre a, le verbe avoir, et a, un mot invariable ou une préposition. Ce qui change ici, c'est le verbe avoir. Ce n'est pas le mot invariable. Chaque handicapé avait une rééducation précise à faire. Cet athlète a une force surprenante. Il arrive à soulever de gros poids. À l'imparfait, on dit, cet athlète avait une force surprenante. Elle arrivait à soulever de gros poids. L'épreuve de son hauteur a lieu à la salle polyvalente, l'épreuve de son hauteur avait lieu à la salle polyvalente. Mon voisin a un handicap, un bras. On dit mon voisin avait un handicap et un bras. D'accord? Alors, ici, le verbe avoir au présent. Change à l'imparfait et prend la forme de avait comme ça. Pour le mot invariable, reste tel quel. On regarde ici à faire, à soulever, à la salle polyvalente, à la salle polyvalente, un bras. Voilà. Alors, l'objectif de cette activité est savoir que le verbe change, c'est pas le mot invariable. Ça veut dire avec action, ne change pas, mais le verbe avoir change selon le temps et la personne. Alors voici donc deuxième activité. Réécrire des phrases en mettant les mots soulignés ou singuliers. On nous demande tout simplement de réécrire les phrases en mettant les mots soulignés ou singuliers. Par exemple, les rééducateurs ont beaucoup de patience, on dit le rééducateur a ou avait beaucoup de patience. Alors il s'agit ici d'un sujet au singulier. Le rééducateur a beaucoup de patience ou avait beaucoup de patience. Les infirmières ont aidé les handicapés, on dit l'infirmière a ou avait aidé les handicapés. Les docteurs m'ont proposé d'aller à la piscine. Alors je vois ici en. Ah, je change en A. Le docteur m'a proposé d'aller à la piscine. Les malades ont bien supporté l'opération. Le malade a ou avait bien supporté l'opération. Alors, comme je viens de dire, c'est un jeu de conjugaison. Ici, dans cette activité, il s'agit de réécrire les sujets. Ici, le groupe nominal sujet au singulier avec changement, c'est nécessaire. Alors, le verbe en ici, c'est le verbe avoir au singulier, c'est a. Ou avec, au passé. Alors, ici, il nous demande de compléter les phrases par a ou a. Il s'agit ici du verbe avoir à la troisième personne du singulier et a, un mot invariable. Justifie ton choix en réécrivant la phrase en mettant le sujet au pluriel.
Voici la correction. Elle a eu beaucoup de chance à son épreuve paralympique. Alors, vous savez comment ça s'écrit A ici, c'est un verbe. Et A ici, c'est un mot invariable. Elles ont eu beaucoup de chance à son épreuve paralympique. Elle a toujours voulu monter à cheval. Il dit, elles ont toujours voulu monter à cheval. Elles ont toujours voulu monter à cheval. Tu n'as pas à avoir peur de participer, on dit. Vous n'avez pas à avoir peur de participer puisque tu, le pluriel de tu, c'est vous. Complète le texte avec A ou AWA. Je me souviens, j'ai déjà donné cet exercice à mes élèves, ils ont bien réussi. Bravo. Tu as vu ton amie. Elle a fait un régime à base de fruits à noyaux. Ah, vous connaissez pourquoi? Tu as avec AS parce qu'il y a tu. Tu as vu ton amie. Elle a vu. Elle a fait un régime à base de fruits à noyaux. C'est facile. Elle a fait un régime à quoi? À base de fruits à noyaux. De plus, il va où? À la salle de sport. Alors, aller plus un mot invariable. Elle va à la salle de sport 4 fois par semaine. Et là, dû prendre du muscle. Tu n'as pas de nouvelles depuis longtemps. Je suis sûr qu'elle a réussi à migrer. Il faut comprendre lorsqu'il s'agit d'un complément, je dois toujours mettre à invariable, un mot invariable ou devant un verbe à l'infinitif. AS, comme ça. Ça s'écrit avec AS lorsqu'il s'agit de deuxième personne singulier, tu. Et bien sûr, les autres cas, c'est troisième personne de singulier, A. Et la feuille. Et la du. Voilà. Elle a réussi. Bon. La prochaine vidéo sera pour et d'autres homonymes grammaticaux. Complète les phrases par et. C'est un mot invariable ou et. Le verbe être à la troisième personne du singulier. Justifie ton choix en réécrivant les phrases en mettant le sujet au bleu. Alors, on dit le train est le moyen de transport le plus rapide et le plus efficace. Au pluriel, on dit les trains sont les moyens de transport les plus rapides et les plus efficaces. Comme vous voyez, uniquement le verbe qui change. Le mot invariable reste tel quel. La gare est située en plein centre-ville. On dit les gares sont situées en plein centre-ville. La gare est reliée directement à la station de bus et au tramway. Les gares sont reliées directement à la station de bus et au tramway. Alors, ce qui change est uniquement le verbe, c'est pas le mot invariable. Ce nouveau type de wagon est spacieux et insonorisé. Ces nouveaux types de wagons sont spacieux et insonorisés. Alors, d'après cet exercice, j'ai bien compris que le verbe change. Le verbe être qui change, pas le mot invariable. C'est la différence entre les deux. Le mot invariable, son rôle est relié entre deux mots, comme le plus rapide et le plus efficace. Ou par exemple, à la station de bus ou au tramway. Spacieux, spatiaux, spatiaux et insonorisés. Voilà. Son rôle uniquement c'est relié entre deux mots ou deux phrases. Alors, il reste ces deux exercices. Je me souviens que j'ai déjà proposé à mes élèves. Ils ont bien réussi, mais il y a quelques difficultés. Complète les phrases en choisissant le mot qui convient. Tu es bien sûr. De connaître la ville et le quartier. On choisit bien sûr ES et ET. Tu es, ça s'écrit avec ES. Et, ça s'écrit avec ET. Puisque c'est un mot de conjonction. C'est un mot invariable, ça veut dire une conjonction de coordination qui relie la ville et le quartier. Il est indispensable de retrouver l'adresse de notre ami, c'est le verbe être. Tu es gentil, c'est le verbe être. Tu es gentil de m'accompagner à deux, nous le retrouverons plus facilement et nous pourrons lui faire une surprise.
Et ici, c'est la drogue entre ces deux phrases. Complète par est ou est ou est. Tu es bien pressé de prendre la voiture et de partir. Ce n'est pas encore l'heure des embouteillages. Je le veux être. As-tu vérifié les niveaux et. Et si c'est un mot invariable qui relie entre les niveaux et la pression, entre ces deux noms, as-tu vérifié les niveaux et la pression de tes pneus? C'est la nuit. Il est indispensable de rouler avec les phares allumés et d'être prudent. Et d'être prudent. C'est la nuit. Il est indispensable de rouler les phares allumés et d'être prudent. Voilà. C'est ça la différence entre ces summoning grammaticaux. Il faut faire très attention, surtout la place convenable, où je dois mettre exactement ces homonymes. Voilà. Bon, c'est donc la fin. Je vous propose d'autres vidéos de l'orthographe, surtout pour la classe de CE1. Puisque ce sont des cours vraiment un peu difficiles pour vous, surtout en classe. Alors, il faut familiariser avec ces vidéos, avec ces corrections. Et voilà, c'est fini. À très bientôt et à la prochaine.